avait toujours conscience de l'urgence qui se présentait. Le chômeur de longue durée disait « urgence de l'art ». La grand-mère en EHPAD disait « urgence de l'art ». Le malade qui attendait aux urgences disait « urgence de l'art ». Le jeune adulte mis à la rue à 18 ans par sa famille d'accueil disait « urgence de l'art ». Le SDF disait « urgence de l'art ». Il n'y avait plus de temps social, seulement l'urgence, l'anxiété. Pourquoi une telle intuition d'urgence? On vivait dans les illusions de l'urgence, urgence écologique, urgence sociale, urgence sanitaire, urgence sécuritaire, urgence climatique, urgence économique, urgence de l'art, de la musique, de la littérature, urgence de faire, urgence de l'urgence. Le pressentiment de ne pas pouvoir échapper à l'urgence du réel, mais de devoir l'accélérer sans cesse, générait la conception d'être pris dans un cercle vicieux, d'où on ne pouvait se libérer. Il y avait en effet urgence, il fallait prendre des mesures. Il n'y a que trop souvent des artistes d'une autre espèce dont toute l'urgence se résume à son apparence sociale, et ceux-là bien ridicules qui, n'ayant personnellement rien dans le ventre, étiraient abusivement leurs œuvres, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, et finissaient par en faire des sortes de monstres tout juste comparables aux démons à mufles de bœuf de certains temples. Une réunion d'urgence des artistes s'imposait. Comme prévu, ils refusèrent de voter l'état d'urgence, prétextant que le peuple, par le biais de ses représentants qualifiés, devait avoir son mot à dire, dans la conduite d'une action éventuelle, qui n'était d'ailleurs pas encore décidée. Tout s'accordait sur l'urgence d'une réaction, et plusieurs moyens étaient proposés, tels que ceux-ci, rendre l'art numérique obligatoire à l'école, remplacer l'intelligence naturelle par de l'intelligence artificielle, encourager les humains augmentés et les humanoïdes, créer des musées spécialisés, créer des formations spécifiques, subventionner les écoles et les artistes, définir la priorité des urgences. On changea plusieurs fois de décision, ne sachant effectivement pas que sauver en priorité. Puis on se dit qu'il y avait surtout urgence à attendre, à discuter, réfléchir, essayer de prendre le temps de l'urgence.